Bonjour les futurs admis. Vous vous posez des questions sur les préparations au concours. Sont-elles efficaces? Laquelle choisir? Faisons le point dans ce sixième épisode sur les préparations au concours et examen de la fonction publique territoriale, chiffres à l'appui. Je vous affiche les témoignages de lauréats au concours d'attaché 2016 que j'ai recueillis par courrier électronique en novembre et décembre 2017. Je leur posais des questions ouvertes pour savoir comment ils s'étaient préparés. Donc ça n'a pas de valeur statistique, mais ça permet d'avoir des retours, des avis que je trouve précieux sur les préparations. En conclusion, je vous donnerai quelques conseils personnels. Vous pouvez contrôler tous les chiffres que je vous donne grâce aux documents en téléchargement dont vous avez les liens en description de la vidéo. Alors, la vidéo est organisée en trois temps. Tout d'abord, nous allons voir l'importance et l'efficacité des préparations par les organismes publics ou privés. Ensuite, nous verrons un panorama des différentes formations qui sont proposées aujourd'hui. Et enfin, les taux de réussite. Eh bien, commençons par le début. L'importance de suivre une formation par un organisme public ou privé. Seule une minorité de candidats au concours et examen de la fonction publique territoriale, quel que soit le niveau, quelle que soit la filière, sont préparés par un organisme de formation. Deux centres de gestion nous apportent des statistiques précises sur le taux de réussite de cette minorité de candidats. C'est le centre de gestion 69, le Rhône, et le 35, l'Ille-et-Vilaine. Je vous affiche les tableaux statistiques de cette minorité. Comment il faut les lire? En externe, 40% des candidats au concours déclarent avoir suivi une préparation auprès de l'université, du CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, du CNED ou d'un organisme privé. Et ils sont 47% des lauréats au concours externe. En interne, 36% des candidats pour 54% des admis. Je vous affiche également les statistiques des années 2014 et 2016. Il n'y a peut-être pas de statistiques pour l'année 2012. Qu'en conclure? Eh bien, comme le dit le rapport de jury du Centre de gestion du Rhône de l'année 2011, de manière nette, le suivi d'une préparation est un facteur de réussite au concours, particulièrement dans la voie interne. Je vous affiche également les statistiques du centre de gestion 35. Vous pouvez tout retrouver en détail sur ma page Facebook Oncial. Maintenant, deuxième partie, les offres de ces organismes de formation. Quel que soit l'organisme, vous avez très souvent des supports, des fiches de cours plus ou moins statistiques qui vous sont données, soit en ligne, soit envoyées par papier, par voie postale, etc. Je vous mets en exemple une fiche du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Mais je vous invite fortement à faire vos propres fiches et pour cela, je vous ai apporté une méthode dans l'épisode 5, comment faire ces fiches de révision, et je vous invite évidemment à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Tout d'abord, le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui prépare la plupart des concours et examens de la fonction publique territoriale. Il fonctionne en semestre. Il va y avoir en juin-juillet un recensement des besoins pour les préparations, des tests d'orientation à l'automne prochain, et selon les délégations, les préparations devraient démarrer au printemps 2019, avec des cours sur place, essentiellement, même si l'offre à distance se développe. Je vous affiche deux commentaires, un plutôt négatif d'Alix et un plutôt positif de Mimose, et je vous invite à en retrouver une vingtaine d'autres sur ma page Facebook. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Ensuite, les IPAG et les CIPAG, et les CEPAG, pardon, leur particularité, c'est d'être des filières universitaires, donc instituts de préparation à l'administration générale ou centres de préparation à l'administration générale quand ils sont rattachés à un IEP, un institut d'études politiques, c'est-à-dire Sciences Po. Donc il y a 22 IPAG et 5 CEPAG, je vous affiche la liste. Et enfin, il reste le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, qui est un établissement public rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Je vous affiche deux témoignages de lauréates qui ont suivi des préparations du CNED. Deuxième sous-partie, les organismes privés. Carrière publique, qui dépend du groupe InfoPro Digital, donc c'est le groupe qui publie les magazines La Gazette, La Lettre du Cadre, le Technicité, le Moniteur, etc. Et probablement le leader, il y a souvent des publicités dans les revues, donc par exemple ici, dans La Lettre du Cadre, de mars 2018. C'est de l'enseignement à distance, c'est une des préparations les moins chères. L'offre démarre à 240 € pour le concours d'attaché pour 4 compositions et 4 notes de synthèse. Ensuite, il y a de nombreux autres organismes. MB Carrière, donc qui dépend du groupe Weka, EFM Fonction Publique, les cours Servais, Subconcours.
je vous affiche un tableau comparatif avec leurs offres et leurs prix. Comundi, qui est rattaché au groupe VK, il me semble, est un peu à part puisqu'il propose une offre en présentiel sur place avec des tarifs évidemment très élevés pour un candidat qui ne serait pas financé par son employeur, 1 700 € pour rédacteur territorial pour 3 jours et 3 000 € pour attaché territorial pour 5 jours de préparation. Voyons maintenant, en troisième et dernière partie, les taux de réussite de ces différentes préparations. Avant de parler taux de réussite, il y a à mes yeux 3 limites. Tout d'abord, la plupart des organismes ne communiquent pas. Seuls quelques IPAG et subconcours nous donnent des taux de réussite, et encore, impossible de les vérifier. Ensuite, la plupart des centres de gestion qui organisent des concours ne donnent pas de statistiques sur la préparation suivie par les candidats, ou alors des statistiques finalement peu exploitables. Exemple avec le CIG Grande Couronne. Ils nous disent que 46% des admis ont suivi une préparation par le CNFPT. Mais finalement, si on ne sait pas quelle est la part des candidats qui ont été préparés par le CNFPT, et si plus de 50% des candidats avaient été préparés par le CNFPT, ça ne nous dit pas grand-chose sur la qualité de la préparation du CNFPT. Et enfin, dernière limite, la plupart des formations, notamment privées, fonctionnent à distance. Et par conséquent, la qualité de la formation dépend essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de la qualité de la correction personnalisée que va apporter le formateur, de ses conseils, de son accompagnement, par rapport aux devoirs que fait le candidat. Et ça, il m'est impossible de connaître la qualité de ce travail-là et de l'évaluer. Maintenant, faisons avec les chiffres qu'on a. L'IPAG de Nantes, par exemple, nous dit que 65 à 70% des candidats, qu'ils préparent, obtiennent un concours qu'ils ont passé au bout de 2 ans. Subconcours annonce que 24% des candidats qu'ils ont préparés ont été admis au concours interne et 30% en externe. Si vous avez regardé la première vidéo que j'ai postée, l'épisode 1, sinon ben faites-le, vous savez que le taux de réussite en interne il est autour de 5-10% et en externe de 15-20%. Donc évidemment ce taux de réussite annoncé est intéressant. Les préparations du CNFPT démontrent leur efficacité. Alors les petits malins diront que je prêche pour ma paroisse. Je vous affiche tout de même quelques statistiques issues du centre de gestion 35 d'Ille-et-Vilaine pour la région Grand Ouest. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien que pour la session 2010, 15% des inscrits ont suivi une préparation du CNFPT et qui vont représenter 23% des admis. Pour 2011, 14% des inscrits pour 21% des admis. Donc il y a une réelle réussite. Je vous montre également les statistiques du CIG Grande Couronne pour la session 2016 ainsi que du CDG 54, donc Meurthe-et-Moselle pour le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont les seuls centres de gestion qui nous donnent des statistiques sur les préparations suivies par leurs candidats. Les candidats préparés par le CNFPT, quelle que soit l'épreuve, composition, notes, rapport, oral, etc., réussissent généralement mieux que les candidats préparés par le CNED ou les IPAG. Alors voyons maintenant les formations du CNED et les statistiques du CNED. Et bien, si on regarde le centre de gestion 35, on voit que la session 2010, les candidats préparés par le CNED représentaient 3% des inscrits pour seulement 2% des admis. Ce qui veut dire que selon ces statistiques-là, les candidats préparés par le CNED ne réussissent pas mieux que les autres. Je vous montre également les statistiques de la Meurthe-et-Moselle pour le Grand Est, la Bourgogne et la Franche-Comté, et là on a seulement les chiffres 2014-2016. Mais il faut remarquer par rapport aux IPAG que les candidats qui préparent obtiennent généralement une note supérieure au moment de l'oro d'admission. Je vous affiche maintenant quelques statistiques pour les IPAG, les instituts de préparation à l'administration générale, et on peut remarquer que les candidats qu'ils préparent ont généralement des notes un peu supérieures à se préparer par le CNED pour les épreuves d'admissibilité. En conclusion, que faut-il retenir ? Eh bien, comme le résume Aline, m'a fait part de son témoignage, les préparations du CNFPT, c'est la Rolls-Royce de la prépa. Tout d'abord, elle est prise en charge par l'employeur, elle est payée par l'employeur via les cotisations 0,9%.
Parfois, les candidats se voient défrayer leurs frais de déplacement et de repas, donc ça varie selon les employeurs. Elle se fait tout le temps sur le temps de travail, qu'elle soit utilisée au titre du compte personnel de formation ou non. Il y a l'effet de groupe, les échanges, qui sont très stimulants. Inconvénient, évidemment, de ces préparations, elles sont réservées à ceux qui sont déjà en poste. Donc si vous n'avez pas pu avoir une préparation SANEF-PT, ce serait mon deuxième conseil, je vous dirais, attendez le semestre suivant. Il y a les épreuves des concours et des examens se ressemblent d'un concours ou d'un examen à un autre, et ça vaut parfois le coup d'attendre un semestre et de bénéficier d'une préparation assez proche. Ce qui se rapprocherait le plus dans le style, grâce à des cours sur place, à des échanges avec le groupe, c'est les IPAG et les CEPAG, si vous en avez un à proximité de chez vous. Et enfin, je dirais que dans l'offre à distance, carrière publique, avec son offre à 240 € pour le concours d'attaché par exemple, est l'offre qui est la plus accessible pour quelqu'un qui ne bénéficierait pas des précédentes préparations. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et dites-moi surtout si vous avez commencé une préparation, laquelle, quel est votre avis, échangeons, j'attends avec plaisir vos témoignages, pensez à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos, je vous souhaite à tous de bonnes révisions.